se retrouve aujourd'hui sur Among the Sleep. J'avais pas envie de jouer à Fall Guys aujourd'hui. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Est-ce que tu as l'image? L'image et le son du jeu, ça pourrait être pas mal. Niveau de qualité maximum, blablabla. Paramètres. J'ai l'image. Est-ce que t'entends du son ou pas du tout? Afficher les commentaires, champ visuel, langue français, pyjama. Ah, mais je veux lui changer son pyjama. Comment je fais? Ah, voilà. On va lui mettre un pyjama arc-en-ciel. Je vais augmenter un peu. Est-ce que là, ça va mieux? Bon, après, tu me diras, c'est que le menu pour l'instant, mais on va lancer, on va bien voir. Ok, sauf que t'es gentil, moi je joue à la manette en fait. Appuyez sur une touche pour continuer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça marche. D'accord. Ah. C'est un peu glauque, hein, comme ambiance. Elle lui fait à manger, elle est sympa. Moi aussi, je veux qu'on me fasse un gâteau. Évidemment qu'il est joli, mon pyjama. C'est un pyjama arc-en-ciel. Oh, merci. C'est gentil. Tu entends pas sa voix. Alors attends. Tac. Desktop audio. Bizarre. Et là. C'est très faible. Attends. Je vais t'augmenter le curseur. Sûrement que. Voilà. Dis-moi si t'entends mieux. Que se passe-t-il, Madame Persil? Ok. Ah, j'avais pas assez augmenté le curseur. Ok. Qui ne se régale pas en mangeant un gâteau? Elle est bizarre. Ok. Ah tiens, je peux regarder la maison. Ok. Ils ont intégré le nom du studio dans la maison. D'accord.
J'y ai jamais joué, mais ouais, c'est vrai qu'elle embrasse l'arc-en-ciel. J'avais vu un let's play, du coup je spoilerai pas parce que je connais la fin. Mais j'avais très envie d'y jouer. Il est pas très long comme jeu, du coup ça va me faire un petit let's play d'été. Ah. Je peux l'ouvrir. Non, c'est elle qui l'ouvre. D'accord. Oh, un petit nounours. Ok. Alors. Est-ce que du coup je peux jouer à la manette? Parce que j'ai bizarrement pas l'impression. Ok. Ah non, c'est bizarre, je ne peux pas bouger avec ma manette. Ah. Option. Paramètres. Ah, voilà. Utiliser le joystick. Voilà, c'est ça que je voulais. J'étais en train de me demander pourquoi ma manette ne réagissait pas. Tu m'étonnes qu'elle ne réagissait pas. Ok, du coup, je peux là maintenant? Ouais, je peux. Comment je fais? Maintien enfoncé RB pour prendre un objet. Ok. Donc, on va avancer. On va prendre ça. Barre-toi le truc. Vas-y, moi j'explore. Ok. Allez, avance. Hop. Il y a un bug de joystick. Ouais. Ok. Petit bug de joystick. On escalade. Pourquoi tu veux pas? C'est pas ça que je dois escalader. Ah, c'est ça. Ok. On va faire des bêtises. Hop. Hop là. Ok. Je peux courir. Non, comme ça. Attends. Je vais y arriver. J'ai pas compris. Ok, ça commence bien. Vas-y, remonte la commande là. Ah, bordel. J'ai pas compris. C'est pas grave. On va refaire. Attends. Câliner, interagir, faire pivoter un objet. Tu veux pas me la redire la commande? Ce serait plus simple. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Je suis pas trop teubé, tout va bien. Hop. Et du coup. J'ai bazardé le cadeau, tout va bien. Il est où le nounours? Il n'y a plus de nounours dedans. Mais elle m'a pris mon nounours, l'enfoiré. Vas-y, remets-toi sur tes pieds là. Bon, ok. Du coup, j'imagine que je dois aller là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ensuite? Ce jeu est un vrai casse-tête, je tiens à te le dire. Hop. Je peux pas. Non. Ah, peut-être qu'il fallait. Ouais, j'ai compris. J'aurais pas dû bazarder le cadeau en fait. Hop. Non mais. Soulève-le. T'as pas de force. Sérieux. Je peux. Ah bah oui, je peux monter par là. Je vais explorer la chambre, je vais bien trouver. La texture de vêtements dans le placard. Ah oui, elle était très étrange, j'avoue. Alors, hop. Ah, nounours. J'ai trouvé le nounours.
Salut Teddy. Alors là, j'en ai aucune idée. Bah non, je suis un bébé abruti. Je suis en train de parler à un nounours. Ok, on va jouer à un jeu. D'accord. Je fais comment pour pas regarder? Je suis censé pouvoir me cacher les yeux? Je me mets là. Non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Tu veux que je me mette où? Oui, bonjour. Appuie sur pour vous couvrir les yeux. Ok. Est-ce que du coup je peux reprendre? Ouais. Bon, on va chercher l'éléphant. Ah bordel. J'ai l'impression d'être redevenu un gosse d'un coup. Bon. J'approche. Ah, ok, c'est pas bon, d'accord. Ouh, je chauffe. Est-ce que c'est là-dedans? C'est tout noir. Ok. Glacial. C'est pas bon, d'accord. Ah, je l'ai trouvé. Il est là. Eh oui, j'ai trouvé. Je peux le prendre du coup? Ouais. Allez, tout casser. Où la boîte à musique? Ah, là-bas. Un petit ours un peu chelou hein, quand même, je tiens à te le dire. Mais je t'aime bien, je crois. Je crois. Alors, tac. J'avoue, la texture des vêtements est vraiment étrange. Maintenant que tu le dis. Alors. Ouais. Bah oui. T'aimes bien la musique. Oh, c'est mignon. Tu veux que je te la ramène? C'est ça? Tu veux la boîte? Non? Tu veux que je descende? Non, ça rien en fait. Oui. Bon, alors, pourquoi le rire encore? Ah, il est reparti. Tu es une vraie girouette, petit ours. Mais je crois que je t'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Un livre pour enfants. Oh, t'as jamais vu un train, je crois. Ah, je sais, il veut que j'appuie sur le bouton. T'inquiète, je vais le faire. Voilà. Et le petit train. Ok. Ouais. Ah, il faut trouver un endroit sombre. Bah, on va aller dans le placard chelou là-bas. Le placard qui fait peur. Bonjour, je suis le placard qui fait peur. Hop. Ok. Attends. Ah. Eh bah, ça va, 2 secondes. C'est pas très facile tous les jours, tu sais, je suis un bébé, hein. Allez, allez, allez. C'est quoi cette... La manipulation de ce jeu est vraiment merdique, quoi. C'est maniable, mais... Bah, j'espère qu'il n'y en a pas non plus. J'ai peur de noir. Oh, c'est mignon. C'est mignon, mais je te vois pas. Je sais pas où t'es.
Ah, c'est... Ah, il fait de la lumière. C'est un ours lumineux. Sérieux, on peut vraiment naviguer dans le placard? Ok. Mais pourquoi pas? Ok, par là. Ça commence à devenir glauque, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Suivons la lumière. Par là. Ouh. Ok. Je cherche. Alors, je cherche, je trouve. Ouais, j'ai entendu. Ça fait peur. Ah. Elle est très grande, cette armoire. On se serait cru dans Narnia. Mais en plus terrifiant, en fait. Je préfère l'armoire de Narnia quand même. C'est pas bien de culpabiliser les enfants, tu sais. Ah. Ok. Ouais, mais si je veux pas aller avec les autres petits garçons et petites filles du monde entier, c'est nul. Moi, je veux rester avec le nounours. Non, c'est vrai, c'est... Elle s'en fout, quoi. C'est un événement random dans sa vie, visiblement. Elle en a rien à foutre. Ok. Je vais te dire heureusement que je joue pas à ça dans le noir quand même. Parce que j'ai peur du noir. En même temps, t'as raison, elle en avait strictement rien à cirer, pour le coup. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On nous a volé notre nounours. Rendez-moi mon nounours. Ok. Aïe. D'accord. Donc, ce qui se passe dans cette maison est totalement normal. On va se le dire. Ok. Pour fureter dans les coins. C'est-à-dire. Je comprends pas ce que tu veux dire par fureter dans les coins. Surtout que ça marche pas trop. Vas-y, moi je veux pas qu'on m'attrape. Ok. Je dirais que... J'avoue que c'est très glauque comme ambiance. Je sais pas pourquoi j'ai peur qu'il y ait un truc qui nous choque là. Ok.
Il est en train de noyer notre nounours. Je tiens à nous le dire hein, quand même. Ok. Je ne peux pas escalader ça. D'accord, très bien. Je suppose qu'on est censé trouver un moyen d'aider nounours. Attends, il y a quelque chose là? Attends, en plus on voit rien, il fait noir, génial. C'est génial. Donc oui, maman a apparemment volé nounours pour le laver. Enfin, ou pour le noyer, hein, visiblement, parce que nounours est vivant quand même. Est-ce que je peux prendre ça? Je sais pas à quoi ça va me servir, hein, mais... Alors, est-ce que... Ouais, je peux le faire rentrer là-dedans. Ah, attends. Bah oui, je suis bête. Faut enlever la prise. Non, si. Ok. On lance maman sur la machine à laver. Ok. C'est assez violent là dans mes oreilles. Je vais descendre le son. Oh bordel. On doit trouver ta maman. Eh ben, viens avec moi, nounours. On va trouver maman. Alors, maman. Où est maman? Est-ce que je peux passer? Oula. Ok. Tiens un peu sur tes jambes, ça va aller. Hop, voilà. Alors. Ouais, bah t'es gentil, dès que je fais un pas, ça fait du bruit dans l'escalier, donc... Ok. Ce genre d'ambiance glauque où tu sais que quelque chose peut te tomber dessus à n'importe quel moment, c'est merveilleux. Du coup... Merde. C'est moi qui ai fait du bruit. Aïe, aïe, aïe. Je peux passer sous le canapé? Oui. Ok. Ça n'a aucun intérêt, mais je peux passer sous le canapé. Ok. Sous la table, c'est bien sous la table. Putain. Non, maman, elle économise pas l'électricité non plus. Il y a NJ qui va l'appeler pour lui dire vous avez 544 € de régularisation annuelle et elle va pas être contente. Alors, des bananes, des pommes, très bien, ok. Est-ce qu'il faut faire de la cuisine? J'adore parce qu'ils mettent plein de cachettes, mais pour l'instant j'ai pas croisé d'ombre maléfique ou je ne sais quoi d'autre. Du coup je sais absolument pas pourquoi. Ok. Faudrait peut-être éviter de faire du bruit par contre. Parce que on sait jamais. Ouais, du coup la poignée est inatteignable. Je sais plus parler, tout va bien. Est-ce que du coup j'ai l'impression qu'il faut escalader? Ok. Je peux sauter. J'imagine qu'il veut pas sauter, c'est un mioche. Ouais non, je peux pas sauter. Tu
Tu t'ouvres pas, toi. Non, toi, tu t'ouvres pas. Ok. Est-ce que faudrait pas pécho une chaise? Moi, j'ai bien l'impression qu'il faut choper une chaise. Ok. C'est vachement discret, hein, ce que je suis en train de faire. Tu noteras que c'est très discret. Alors, tac. Allez. On monte. Voilà. On attrape la tige. Parce que ce bébé, visiblement, adore pousser des portes. N'est-ce pas? Ok. Faut me remettre à quatre pattes. Instant de survie, tout ça, tout ça. Ok. Je vois pas l'utilité de me foutre dans un placard pour l'instant. Si ça se trouve, je fais un mauvais calcul. Puis alors là, il y a le champ libre pour me voir. Y a toujours personne, hein, on remarquera. Ah, va-t'en l'orage. Mais oui, tout fait du bruit. Ce jeu est fait exprès pour me faire flipper, en fait. Ok. Ah, j'ai peur, bordel. Non, mais j'adore cette visite de maison. C'est très sympathique. Bon, visiblement, là, c'est pareil. Il va falloir faire du. Non, mais monte. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ah. Tu m'énerves, Jean-Mi. Ok. Dégage. Je veux monter. Et passer sortie, c'est ça? Non. Ok. Bon, là, je veux monter. Ok. Là, je veux aussi monter. Bah, encore une fois, t'es bien gentil, mais je vais pas me suicider du haut de l'armoire quand même. Ah! Je crois que j'ai compris. Attends. Ah, Allez, voilà. Merde. Je voulais pas tomber avec. Je voulais juste. Ok. Ok. Mais le tiroir, il va pas jusqu'à la poignée de porte. Si? Non. Absolument pas. Je peux pas le tirer plus, j'imagine. Je crois qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Ah, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Bon, alors attends. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à choper là derrière la porte que je n'aurais pas vu? Non. J'imagine que la chaise de bureau est largement trop lourde pour que je la traîne jusqu'à là-bas. Même pas. Ok. Ah, arrête de faire du bruit. Cet angle de caméra est vraiment pourri. Pourri, pourri, pourri. Je m'en fous, je la fais passer la chaise. J'ai dit, je la fais passer. Putain. Ah, c'est fait exprès, elle passe pas. Non. Il n'y a pas moyen de faire passer cette foutue chaise. Je fais comment, moi, avec ma taille de mini-pouce, là? Il y a sûrement un truc que j'ai mal compris, c'est pas possible. Bon, attends. Pourquoi est-ce qu'il y a des espèces de bruits de serpents chelous là? On a une maman, pas une vipère. Alors attends. Ça, je peux. Ok. Ça change rien en fait. Je peux pas le tirer plus. Non.
On dirait des esprits. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Je peux pas le pousser plus, lui. Puis, je t'avouerai que ça m'a bien saoulé maintenant. Et du coup, bah merci d'être passé. Et puis, à la prochaine. Des bisous et puis salut, salut.